les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de map. Donc pour ceux qui l'ont reconnu, c'est la Belgique profonde, une Belgique profonde version FS17. Donc on est parti, donc petite présentation, sachez que moi je l'ai déjà modifié, j'ai déjà modifié des trucs, donc je vais vous expliquer, enfin vous montrer en même temps ce que j'ai modifié moi, des choses qui me plaisaient pas que j'ai modifié. J'ai rajouté également des choses, donc je vais vous montrer en même temps. Donc là, donc comme vous pouvez le voir, on est... D'ailleurs, avant de commencer la présentation, les amis, je tenais à remercier Farming Savoyard. Un petit coucou à toi si tu regardes cette vidéo. Merci à toi pour le partage de ma chaîne sur ta page Facebook. Merci à toi. Merci à Arsenic Modding pour son message pour la présentation de sa map. Si je l'ai, il me semble, si je l'avais peut-être déjà dit, enfin je leur remercie encore. Et vraiment merci à Farming Savoyard d'avoir pris du temps à regarder ma chaîne, à me répondre, enfin à me donner son avis, tout ça. Et pour le partage de ma chaîne sur sa page Facebook, vraiment merci à toi. Et merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés. On est déjà, enfin on est monté à 150 abonnés, ou 151, je sais plus. Merci à vous, bienvenue à vous, ça fait plaisir. Donc allez, on est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est au corps de ferme, donc on spawn ici. Quand vous arrivez sur la map, vous spawnez là. Il y a un bouton là, ça allume quoi ça? D'accord, ça allume la lumière là, ok. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on arrive là quand on spawn. Voilà, donc là, hangar de stockage. Je sais pas si ça s'ouvre ça, si ça s'ouvre. Hop. Un quart de stockage à patates ou à betteraves comme vous voulez, ou enfin ce que vous voulez. Donc alors ici, donc ça on a fait, ok. Donc ici on a donc deux rues, enfin quand on télécharge la map, ici c'est les moutons, ici c'est les moutons, moi j'ai mis les cochons. J'ai changé, j'ai mis les cochons ici à la place des moutons, les moutons je les ai remis là-haut. Donc voilà, tout simplement parce que moi je préfère m'occuper des cochons dans la ferme principale avec les vaches que des moutons. Les moutons, moi personnellement, je m'en occupe pas souvent sur farming. Donc voilà, donc j'ai remis les moutons, les cochons ici, pardon. Donc, hop, là, donc vous ouvrez, c'est le même principe pour les moutons, hein, sauf que moi j'ai tout refait pour les cochons. Voilà. Ça, donc hop, je vais juste mettre ça, tac. Hop, donc hop. Vous pouvez le voir, tout ça fonctionne. Voilà, les moutons sont bien là. Les cochons, pardon, je vais y arriver. Donc voilà pour ça. Donc ici, ça c'est comme c'était. Je vais vous dire de toute façon ce que j'ai modifié. Donc ça, les bâtiments. Ici, on peut prendre de l'eau. Comme sur la version FS15, c'était pareil, je crois. Ici, on a les semences. Donc un petit abri. Ici, bah, y a de la lumière, tout ça. Hop. Ici local phytosanitaire, ici des bâtiments pour ranger, ici point de vente de la paille, mais je pense que je vais l'enlever moi. Ça fera toujours un coin de pour ranger du matos en plus. Moi personnellement la paille je la vends jamais, donc je verrai pour l'enlever. Donc ici comme vous pouvez le voir, on a les poules qui se promènent dans la ferme, encore un hangar de stockage. Ici on monte aux vaches, donc le silo, mon silage. Donc là on est aux vaches. Ici vous avez donc le lait comme sur la version FS15. Alors hop, là on va ouvrir. Tac. Voilà. Donc la stabule. La stabule des vaches. Donc elle n'est pas curable. J'ai entendu dans une vidéo qu'elle n'est pas curable. Le fumier spawn ici directement. Donc voilà pour ça, la petite abri. Ici on a le lisier, hangar pour les ballots ou autre chose, après à vous de voir. Donc comme vous pouvez le voir, ici ça a changé. Avant on avait un chemin qui descendait, maintenant il est bouché. Il est bouché. Hop. Ici trigger pour décharger les animaux. Voilà. Donc pour information, le trigger pour l'eau, il est ici. Donc alors vous allez me dire, il y a de la boue sur la map, donc oui, moi j'ai rajouté la boue sur la map. J'ai mis la boue, donc j'ai mis de la boue partout, enfin partout,
où je voulais, un petit peu partout. Donc voilà pour ça. Ici, bon, les endroits où on donne à manger. Là, on peut faire le tour. Ici, avant, c'était le pré des vaches. Ils ont fait un champ. Voilà, champ qui nous appartient. Hangar de stockage, là, petit abri. Ici, on a un abri. Enfin, hangar de stockage. Ici, on a pour vider donc le stockage de grains. Ici, moi, j'ai fait une séparation, donc j'ai rajouté des murs. Voilà, parce que je trouve ça plus sympathique. Ici, moi, j'ai fait un atelier. Donc, j'ai remis un trigger là pour configurer ou vendre. Voilà, je peux configurer, je peux vendre. Voilà, parce que de base, ça y est pas. Moi, je l'ai mis là. Donc voilà pour ce qui est de la ferme. Ouais, je vous ai tout montré. Voilà, donc elle a vraiment bien changé, hein. Je veux dire, c'était pas comme ça avant, quoi. Voilà, ils ont vraiment refait la ferme, vraiment jolie, moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir pour s'acheter un pick-up. Hop. Bon, on s'en fout de ça. Hop. Je vais le réinitialiser. Comme ça, on va aller se balader en pick-up. Je sais pas si. J'ai pas regardé où étaient les points de réinitialisation. Ah, mais ils sont là, nickel. Allez, on est parti. Donc voilà, pour ça, c'est le corps de ferme. Donc là, vous pouvez ressortir par là. Donc moi, bien sûr, il y a la boue. Allez, avance. Voilà, donc alors moi, ça y est pas. Normalement, c'est un champ ici. Ici, c'est un champ. Moi, j'ai supprimé le champ et j'ai mis tout ce qui est patate. Ça c'est moi qui l'ai rajouté également, mais enfin j'ai un bug, elle fonctionne pas, faut que je voie. J'ai un petit souci de script dessus, donc il faut que je revoie ça. Ici donc la laveuse à betterave. Ici on a pour cuire faire des patates vapeur. Voilà, ici la laveuse à patates. Voilà. Donc ça c'est moi qui ai rajouté. C'est pas la peine d'y chercher sur la map, vous n'y trouverez pas. Ensuite, allez, hop, on va partir par là. Donc voilà, ici donc les champs. On va aller voir là-bas. Donc ici on avait le BGA avant. Maintenant c'est un champ. Donc vraiment un beau champ. Hop, donc ça, là, on est parti. Pareil, hein, le chemin il existait déjà, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va partir par là. J'ai peut-être été un peu fort sur la boue, mais on verra bien. Sinon j'en enlèverai, c'est pas un problème. Oula! Donc alors ensuite, ici bon les champs, il y a l'émission avec les champs. Ça, alors là on va aller par là. Donc là si vous allez là, ici vous pouvez vendre le lait. Donc vous venez ici, là vous vendez le lait. Tout simplement. Attendez, je vais le mettre en démarrage manuel. Voilà. Ça. Ensuite là si vous montez, vous avez un point de vente. Donc qui est le. C'est quoi comme point de vente? Je sais pas, je vois pas le nom. Donc la balance, voilà, vous venez là, vous vendez, tac. Après, vous ressortez. Ça, c'est classique. Oula. Ça, c'est classique. Hop, donc là, on redescend. En fait, c'est ce 4x4 comme chiffre, parce que les tracteurs, ils en chient pas autant que ça. Enfin bref, on est parti, donc on continue. Ici vous avez donc le BGA. Le BGA qui est ici maintenant. Comme je vous ai montré avant, il était en haut. Avec la petite rampe pour vider, etc. Les silos. Bien sympathique. Alors ensuite on va aller à l'ETA. Hop. Allez, go. On est parti. Bon, je pense faire une petite carrière dessus, je sais pas, je vais voir. Faut que je vois.
Elle est quand même vraiment jolie la map, puis le corps de ferme me plaît beaucoup. En plus, bon, vu que j'ai modifié pas mal de choses, enfin quelques trucs, pourquoi pas faire quelque chose dessus. Donc allez, on est parti. On va aller à l'ETA. Donc ETA qui a pas bougé, il a juste changé un petit peu. Donc là, hop, un peu de boue à l'entrée, qui fait bien chier. Hop. Alors ici, donc on a l'ETA, donc on peut prendre des semences, le local phyto. Voilà. Donc ici ils ont agrandi, hein. Avant on pouvait sortir là, maintenant on peut plus. Là ils ont rajouté tout ça. Donc voilà, normalement ici, les cochons ils sont ici. Donc ça c'était le carré pour le lisier des cochons. Et moi j'ai remis les moutons. Hop. Donc c'est le même principe qu'à la place des cochons. On achète les moutons, tac, on va acheter 49, hop, et voilà. Les moutons spawnent ici, avec l'eau ici. Après c'est moi qui ai fait comme j'avais envie. Donc voilà, pour ça, ici pour ceux qui savent pas, vous pouvez déplier les rideaux. Pareil pour les cochons, enfin pour les moutons du coup qui sont de l'autre côté. Vous, hop, vous appuyez là, et le rideau il monte. Le rideau il monte tout seul. Donc voilà pour ça. Donc on va repasser par là derrière, non? Ah, je vais aller dans la forêt là. Et dans la forêt, j'ai abusé un peu sur la boue. Je pense qu'il faut que j'en enlève un peu. Oh là là. J'ai mis ce qu'il fallait en boue, mais c'est la voiture, hein, là, normalement. Je suis monté avec la ponce pour faire des tests. Elle passe, ça roule relativement bien. Donc là, ici, on est à la scierie. Donc pour information, ne la cherchez pas sur la carte que vous téléchargez sur le site de Frabel. Vous ne la trouverez pas. Ça, c'est moi qui ai rajouté la scierie. Donc voilà, tout fonctionne, bien sûr. Les tests, j'ai fait des tests, ça marche. Donc voilà pour ça. Ici, on est où là? En gare de stockage. Ça, c'est pareil, ça y est pas, c'est moi qui ai rajouté. Cuisine à palettes pour faire des palettes de planches, enfin des planches, des palettes de planches là-bas, et ici on fait des palettes. Pour l'instant ça me servira à rien, mais par la suite je verrai pour rajouter peut-être d'autres choses, je verrai. Vu que la map est en libre, on peut faire ce qu'on veut dessus. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, on peut la remettre en DL. Donc si il y en a qui s'intéressent d'avoir la version que j'ai moi, enfin que j'ai modifiée, avec les usines, etc., n'hésitez pas à me le dire. Je verrai pour vous faire un lien. Donc voilà, là, on veut le stockage. Alors, non, voilà, normalement ça c'est la scierie. Ça c'est la scierie que eux ils ont fait. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est Falcon Vini qui l'a fait. C'est la même que sur sa map. Donc voilà, alors on vend le copeau, et dans l'eau vous vendez le bois. Allez, on continue. Hop. Ah, j'ai vraiment forcé sur la boue, moi. Oh la vache. Il y en a partout. Pas ça. Donc là, si on continue. Donc là, le chemin il n'existait pas avant. Ils l'ont rajouté. Bon, après, je vais pas vous montrer la forêt. Hein. Vous voyez, la forêt elle est derrière. Je crois qu'elle a pas changé la forêt. Ils ont juste refait les décors, enfin les décos. Je passe à côté. Hop. Donc voilà, moi dans ce que j'ai rajouté, la scierie, l'usine à plan, à palette, les laveuses. Et après, bah, les babioles que je vous ai montrées à la ferme, bah, verser les cochons, des moutons, le trigger pour configurer les véhicules. Voilà ce que j'ai rajouté. Donc là-haut, on n'a plus rien de toute façon. Ok. Donc ici, le compost, qui est de base, hein, enfin qui est avec la map, c'est pas moi qui l'ai mis. Il y est déjà. Donc voilà le compost, les petits hangars de stockage, etc. Ensuite, là, le magasin.
Donc le magasin qui est sur la map de Falconvini. Donc voilà, le trigger aussi qui est ici pour les configurer les véhicules. Hop. Voilà pour le magasin. Ici, donc, les petits bâtiments, les maisons ont été changées. Une petite maison, un petit quartier en construction. Ici, on vend les œufs. D'ailleurs, je crois qu'on en a récupéré. Hop. Donc, les œufs, on les vend là. Ici, je crois qu'il y avait le Century 21 avant, où on achetait les champs. Maintenant, c'est la charcuterie, où on peut acheter des animaux. Voilà. Attendez. Hop. Juste redescendre. Regardez. Mais dans tout, enfin, il n'y a pas de log. Hein. Y a pas d'erreur. Hein. La map a zéro erreur. Même moi, après ce que j'ai rajouté, il y a toujours zéro erreur. Toutes les erreurs que j'avais quand j'ai remis mes trucs, j'ai tout corrigé. Et plus aucune erreur. Hop. Mais disons que de base sur la map, il y a zéro erreur. Là, on est en ville. Je pense que c'est bien ça les FPS. Voilà là, ici, donc, pareil qu'avant, un trigger là pour vendre le grain. Ici, on pouvait acheter des semences, je sais pas si ça marche toujours. Est-ce qu'il y a le trigger? Non, il n'y a plus de trigger ici. Apparemment, il n'y a plus de trigger. Non, il n'y a plus de trigger, on peut plus reprendre des semences ici. Ok. Et bah c'est bon, je suis garé au milieu de la route, je sais. Donc voilà pour ça, après... On va couper à travers, c'est pas grave. Après. Si on monte là-haut. Juste. Là, vous montez. Oula! Une butte là. Si on monte là-haut, ça avait été fait dans la dernière version, ça. Comme vous voyez, dans la sortie du village, on est à 60 FPS. C'est juste dans le village que ça lag un peu. Ouf, ça c'est pas une bonne idée. Ah ouais, pas du tout même. Ah putain. Ouais, ça, bah enfin j'enlève ça. Parce que du coup, je pense pas que je pourrais monter avec un tracteur, on verra, on essaiera. Voilà, donc là j'ai modifié aussi. Donc là c'est donc la gare. Je sais pas si je vais la laisser, je verrai. Je verrai. Donc là, la vente de palettes de laine. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué. Et ça, c'est moi qui ai rajouté. C'est pour vendre les patates lavées, les patates sales aussi. On peut vendre les planches, les palettes de bois, tout. Enfin tout. On peut tout vendre ici. Tout ce qui est palette. J'ai tout mis là. Donc, je pense que je peux vous montrer. D'ailleurs, j'ai pas regardé si ça marchait ça. On va regarder ça ensemble. Voilà. Donc c'est. Ah non, ça marche pas. D'accord, ça marche pas. Biomasse. D'accord, ouais. Ça marche pas. Ok, c'est pas grave, je regarderai, ça c'est pas bien grave. Mais on pourra tout vendre ici. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. On peut vendre deux grains ici. Ici, pareil, petit hangar de stockage, des petites terrasses, etc. Mais écoutez, voilà, on a fait le tour. Ouais. Donc voilà, map est disponible sur le serveur, sur le forum de Frabel, qui a été refaite à l'aide de Arsenic Modding et Falcon Vini, le créateur de la ferme du Bock. Qui travaille avec Arsenic Modding. Voilà, ils ont tous participé à la map et du coup, ben, Ditch de Frabel a décidé de sortir la map, tout simplement. Donc voilà, si vous avez aussi une entrée par là pour entrer à la ferme. Oh bah, oh j'ai un bug des moutons là. Ah ouais, il y a un bug aux moutons ici. Ouais, alors là c'est un petit peu les merdes. Comment ça se fait? Ok, il faudra que je regarde ça. Bon, ça c'est pas bien grave. J'ai dû me faire une fausse manip quand j'ai
Quand j'ai créé une nav mesh, bon c'est pas grave ça. Je remodifierai ça, c'est pas un problème. Eh bien écoutez, donc voilà pour ça, j'ai rien d'autre à vous. Non, rien d'autre à voir. Donc voilà pour ça, donc encore un remerciement à Farming Savoyard pour le partage. Merci à toi. Continue tes vidéos aussi. Tu nous fais bien rire sur tes vidéos. Voilà, c'est tout les amis. Donc voilà, petite présentation de la Belgique profonde sur FS17. Donc n'hésitez pas à me dire pour ceux qui souhaitent avoir la map, enfin ma version de map, moi celle que j'ai modifiée. Donc bien sûr, les moutons, tout ça, ce sera corrigé. Ça, c'est pas un problème. Je vais m'occuper de ça tout de suite derrière. Après, ça peut être stylé, des moutons qui se promènent à la ferme. Mais non, voilà, je verrai ça. Je vais modifier tout ça, remettre la vente des palettes. Et voilà. Là, c'est tout. Et bien, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un maximum de pouces bleus, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager, ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, allez, ciao tout le monde!